Le journal inversé. Et on commence justement avec de la politique, ce journal inversé. Selon le Canard enchaîné, François Fillon n'aurait fait embaucher aucun membre de sa famille depuis ce matin. Aux États-Unis, en ce moment même, Donald Trump signe un décret qui interdit au président américain de signer des décrets de merde. Le chiffre rassurant du jour, 34, c'est le nombre de morts par balle à Marseille en 2016. Un beau score pour les Phocéens qui se qualifient donc pour les quarts de finale de la Ligue des champions du crime. Ils rencontreront la très bonne équipe de Medellín. Télévision, le monde médiatique continue de saluer la cérémonie des Globes de Cristal sur C8, une cérémonie placée sous le signe de la classe et du professionnalisme. Décidément, le groupe Canal+ de Vincent Bolloré n'en finit plus d'épater la galerie. Et puis le journal inversé souhaite une très bonne journée à tous ceux qui pratiquent ce difficile métier peu rémunéré, attaché parlementaire.